Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Alors, je suis un petit peu paumé en ce moment avec qui est quoi. Parce que l'épisode qui était juste avant celui-ci, vous avez vu que j'ai fait deux ellipses parce qu'il y a eu des bugs. Franchement, je tiens à le dire, Origine est la plus grosse daube de toute cette putain de planète. Voilà, c'est bon. Vu que se jouer sur Origine, tout comme Deep Space 3, enfin sur Deep Space 3 j'ai pas ouais j'ai moins de problèmes, mais alors là c'est la daube, je vous jure. J'ai le jeu, suffit que je le laisse 10 secondes sans y toucher, il plante. Il y a des moments la connexion, hop, t'as Origine, il s'éteint tout seul, des trucs du genre, c'est super chiant. Donc là on est un autre jour que l'épisode dernier. J'ai cherché un petit peu où qu'est-ce qu'on devait faire, j'en sais rien. Alors, j'ai regardé sur la base et avec le quick, donc je me suis dit on va aller dans le Normandie. Taylor, tu Je veux me peux dire vous quelque aider, chose? commandant? Laisse-moi faire. Non, je m'en fous, tout ça, de Continuez, savoir ce qu'on officier. doit faire. Bon. Bande d'humains, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, je me suis aussi un petit peu renseigné sur... l'histoire du jeu, hein. J'ai lu le journal, enfin j'ai pas tout lu parce qu'il était vraiment très grand. Okay. Mais j'ai lu notamment les races, la biographie d'un petit peu toutes les races. Alors, je me souviens plus tout à fait précisément de leur nom, hein. Mais je me rappelle au moins un petit peu quelle est leur place dans la société. Quartier. Et donc c'est bon, c'est un petit peu tout. Ah oui, mon terminal privé. Ah oui, mes deux processeurs perso. Oui. Ah oui, effectivement, c'est carrément un simple système. Oh génial, c'est magnifique ça. Ah ben, casier à armure. Armure quotidienne. Ah ouais, ça c'est ce que j'ai. Oui, bien. Ça c'est ce que j'ai dans la base. Oh tiens, comme ça c'est. Bon, quand même, on reste commandant. Et ça c'est armure de combat sans casque. Avec ou sans casque. Une de l'armure ou pas? Ah, une de l'armure. Ouais, celui-là il est stylé, mais bon, il coûte beaucoup. Ah, j'ai vraiment des trucs comme ça qui me servent. Je crois que j'ai plusieurs régénérations de boucliers là. Là. Et je fais plus de dégâts au corps à corps. Les jambes. Matériaux. Ah oui, ça va pas, ça fait le tout. Ça change rien par petite à petite couleur. Ah et merde, est-ce qu'ils ont des motifs? Ah, la couleur, que j'ai pas de la santé. Je mets couleur des motifs. C'est un petit peu Power Ranger ça tout ça. Non, on va pas laisser rouge, hein. J'ai l'impression d'être dans Warframe. Quasiment tous mis. Non, on va laisser tout ça et ça laisse aussi que faire. Non, c'est bon, ça manque. Lumière. Ça te fait des lumières. Ah, derrière. Rouge. Voilà. Parfait. Ok. Ça sert pas à grand chose. Peut-être qu'apparemment ça m'a amélioré. Donc... Non, on va aller au point résiduel. Sauf que c'est pas de là où je viens, je pense. C'est énorme en fait, ce vaisseau est gigantesque. Non, là c'est juste un
Ok. Non, sur la passerelle que je voulais. Voilà, c'est ça. Bon. J'ai des messages. Non, ça c'est... Okay. Les emails. Opération spéciale. Petit étage. Ok. Alors ça. Wow, je comprends pas tout. Le problème c'est quand même que je ne sais pas où aller, je ne sais pas vraiment à qui faut parler. Je sais pas, genre il n'y a pas un PNJ qui nous donne des quêtes, des trucs du genre. Bah, si vous savez un petit peu tout ça, ou je sais pas si quelqu'un déjà joué à vous. Donnez-moi des informations s'il vous plaît. Voilà, mais là, j'ai strictement aucune idée de quoi faire. On va quitter l'orbite de la citadelle pour aller où? Parce que j'en ai pas... Mais... Je n'ai pas l'infini du... gasoil. Bon, je vais acheter du... C'est pas du gasoil. Bon. Est-ce que... Ou alors ça se trouve tout simplement aller sur des... Des endroits comme ça, quoi, genre... Défoncer la gueule, quoi. Ça m'étonnerait quand même. Allez, vas-y, rentre maintenant. Peut-être qu'il faut tout simplement que j'avance dans la guerre et que je capture des territoires. Je scanne des fois parce que je sais pas. J'ai trouvé quelque chose. Oh. Franklin. Oula, vigilance. Mon seigneur, c'est mon coin. Je peux pas ici? Trouver quelque chose mais ça sert à rien. Ah non Watson, ok, non, c'était la petite planète qui était là en fait. Ok, je pense. Ok, donc là je sais pas ce que je scanne. Oula, non. Allez, tourne la planète. Alors, je pense qu'il faut suivre ce petit... Ah, là. Vas-y. Balance-moi c'est une sonde. Et donc, objet trouvé. Ressource de carton. Bande de missiles, j'avoue. Ok. Donc j'ai trouvé ça sur cette planète. Ça n'empêche que ça ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire. Vigilance des moissonneurs. C'est comment? Qu'est-ce que c'était? Ok, on va changer. La décor ici, on avait été pour voir. Ah! Système. Signal confirmé. Alors je sais pas trop ce que je fais hein, c'est un petit peu un épisode de découverte en fait. En même temps si vous... franchement si vous pouvez me dire si vous savez où c'est qu'on peut avoir les des informations sur où c'est qu'on prend les quêtes et tout, je veux bien. Franchement je veux bien parce que là j'ai aucune idée. Bon voilà, ça c'est fait. Ça c'est bon. Ah, ok. Il y a un truc là apparemment. Inspecter, c'est une épave. Ok. Et j'ai récupéré des unités de carburant. Hop, je peux sortir. Non ! Ah ! Enfin mon système. Donc sur cette planète-là. Ah.
Et là, tu me fais revenir là, c'est qu'il y a trop de choses. Alors, je sais pas ce qui se passe quand les moissonneurs... Donc, là, vous voyez, la vigilance des moissonneurs augmente et tout. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça arrive à le fond? Voilà, ok, je devrais pas. Nah, je m'en fous. Oh, pas. Non, non. Est-ce que je peux repasser là-dedans? Ah, ah non, au secours, non. Ah, vous ne m'aurez jamais. Je suis trop rapide pour vous. Sauf que... Oh, je suis trop fort. Oh, je les ai esquivés. Je suis trop balèze. Ah bon? Qu'est-ce que ça fait? Oh. Ah, secourir le... Ok. Normalement, je sais pas, on va y aller, on va voir un petit peu. Bon, bah on aura passé 12 minutes à un petit peu à rien faire. Oh. Ah, c'est là que... Vas-y, on dans le... Atterrir. Ah bah voilà, c'est bon. En fait, il faut tout simplement regarder dans les zones, là... Là, faut juste regarder ce qu'il y a de tout. Ça, c'est mon... Et puis les autres Zigoto, je reste pareil. Ah oui, c'est vrai, j'avais des points. Des points de points. Alors, j'avais regardé vite fait quoi augmenter. Et je me suis dit que j'allais augmenter peut-être... rien, en fait. J'ai laissé mes points. Peut-être qu'il y a un point, pareil. Bon, voilà, on va économiser. Aujourd'hui, on va économiser. On va économiser un petit peu tout ce qu'on a. Et puis... on va voir, on achètera des trucs plus puissants plus tard. Notamment, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que faisait cette inspection. Ça fait un truc chalier. On aurait défoncé notre planète, mais c'est pas bon ça. C'est bon, j'avais raison, c'est pas bon. On est où là-dedans? On est où, Normandie? Bon bah, j'ai un lit. C'est plus classe. Et on arrive sur cette petite planète de merde où il y a plein d'explosions. Ah bah, elle est sympa notre tenue. On va pas mettre notre tête, là. Oh non, non, c'est pas la veine. On connaît quelqu'un là-bas. Mais ah, c'est un vrai massacre. L'armée la plus puissante de la galaxie est en train de se faire mettre en pièces. C'était pareil sur Terre? Oui. Shepard, je suis désolé. C'est pas grave. Ouais. Commandant, la zone d'atterrissage est submergée. James, ouvrez le sas. Bon, on aura mis notre temps à trouver s'il fallait faire, mais au moins... Moi c'est bon, c'est fait. Je peux pas vraiment tirer dessus. Je fais des dégâts. Je suis trop un mauvais tireur. Ok, on entre, on sort. Allez! Ok, alors déjà, lance mon tourelle. Oh, mais c'est gros ou deux. Allez-y, moi je me... Je vous couvre. Oh merde, je me démerde. Non, c'est des potes. C'est des potes, c'est des potes. Voilà, hé, hey, tu crois où toi? Non mais pique quoi encore? Je te fais un massage tout de suite. Tiens. Bah je sais pas dans quoi ça. Je t'emmerde. Allez, monte. Alors, bah c'est bon, on trouve la zone là où... Ils sont après l'angle, derrière la première barricade. Ok, mec.
Yes. Des crédits. Ok, alors attendez, je vais juste sauvegarder. Ouais. Je vais sauvegarder parce que ce jeu plante toutes les deux minutes. Les alliés approchent. Trouvez le commandant en cherchant tout badass. Voilà, tu me l'as bien badass. Domestique, allez renforcer la barricade nord. À vos ordres. Ah, c'est Sergent Bertus, réparez-moi cette tour de transmission. Bien pris. Général. Commandant Shepard, on m'avait dit que vous viendriez, mais je n'y croyais pas. Je suis le général Corinthus. Je suis venu chercher le primarque Fedorian. Fedorian est mort. Sa navette a été abattue en plein vol il y a moins d'une heure. Voilà qui complique les choses. Non. Ouais, putain de moissonneur de merde. Je suis désolé. C'est une perte pour tout le monde. Enfoiré de moissonneur. Et maintenant, il se passe quoi? Les règles de succession de la hiérarchie turienne sont très strictes. Oui. Général Corinthus? Nos pertes sont telles que j'ignore qui est le nouveau primarque. Il faut poser la question au commandement de Palaven. Mais c'est impossible pour l'instant. Notre tour de transmission ne fonctionne plus. On va y aller à pied, c'est ça. La zone est infestée de zombies qui nous empêchent d'approcher. Ouais. Je ne peux pas quitter cette lune sans savoir qui est le primarque. Je vais réparer votre tour. Merci, commandant. Okay. Je vais m'occuper du reste. Bien, on y va. Mais tu peux pas me filer quelques troupes tant qu'on y est? Parce que eux, non, je sais plus. Je vois la tour de transmission. C'est la barricade principale, devant pas la peine. C'est dans l'Alliance un petit peu la race des barbares. Pas les barbares sans tête, complètement débiles, hein, non. Bah moi ils sont pas super intelligents non plus. Mais c'est pas autant. Mais c'est les gros militaires, quoi. Donc justement, si vous pouviez me filer une... Ok. Ah ok, bah, attends, mec, bordel de merde. Par où je dois aller? C'est peut-être par là. Allez, explique-moi. Ah, par là, ça a l'air de chier. Ok. Bon, j'ai aucune idée d'où faut aller. Je cherche un petit peu quand même. Chèvre. Alors, tiens, un nouveau sniper. Alors, c'est celui-là, celui-là nouveau. Il est plus léger, il a plus de capacité, plus de cadence de tir, il fait moins de dégâts, et il est toujours aussi possible. Ok, donc il est plus pratique, mais bon, il fait moins de dégâts. Voilà. C'est le Viper. Plus petit quand même. Oui, beaucoup plus petit. Bon, ça m'empêche que ça me dit pas où je dois aller. L'équipe ne fasse que les réparations importantes de niveau 8. Bordel de merde. Ah, ce jeu, qu'est-ce qu'il y a d'indication? Sur votre gauche en haut, c'est la barricade principale. Sur votre gauche en haut, c'est la barricade principale. Armure débloquée, une nouvelle jambière. Il y a quoi d'autre? Un Medikit, pourquoi pas. Un datapad. Ok. Est-ce que ça change, putain de merde, rien? Tu peux pas me la déverrouiller, c'est... Sur votre gauche, c'est la barricade principale. Ouais, mais et alors? Je veux juste passer. L'épisode sert à rien, c'est pas possible. Ok. Bordel, mais c'est... Oh, c'est un tableau.
vraiment qui prit sur ces armes. Ouais, ça c'est bien. Bon, c'est moi. Il n'y a pas un moyen de savoir. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas excuser tout de suite. Bon, de toute façon, vous savez quoi? L'épisode fait 20 minutes, je vais chercher un petit peu de mon côté. Donc je vous dis salut à tous, merci d'avoir aidé cet épisode. Au prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut à tous. Écoutez-vous deux. Salut.